Voici Marc. Entre 1976 et 2010, Marc s'est éloigné de son travail de 3,5 km pour s'offrir un meilleur cadre de vie inaccessible à Paris. Du coup, forcément, il met plus de temps qu'avant pour aller travailler. Chaque jour, Marc passe en moyenne 56 minutes. Coincé dans les bouchons franciliens atteignant parfois les 546 km, en savourant l'odeur des pots d'échappement, ou écrasé contre 5,13 millions d'usagers dans les transports franciliens, subissant panne et retard. Alors, en arrivant au bureau, Marc, il n'est pas très frais. Heureusement, on peut réduire le temps de trajet entre domicile et travail. Le télétravail, adopté plus d'un jour par semaine par 16,7% des Français, permet de travailler à distance. Il réduit de 40 minutes le temps moyen de trajet, augmente le temps moyen de sommeil de 45 minutes et la productivité de 22%. La semaine de 4 jours, qui consiste à concentrer ses heures de travail hebdomadaires, a déjà été adoptée par 400 entreprises françaises. Certaines sont même passées à 32 heures, sans perdre en productivité. Les emplois locaux sont accessibles à pied ou à vélo, ce qui permet de lutter contre le stress et accroître l'énergie, la mémoire, l'attention et la créativité. Réduire son temps de trajet permettrait à Marc d'être en meilleure forme, plus productif et plus heureux. Et le bonheur au travail, c'est super important, non ?